Bonjour à tous, donc nous voici avec le Porsche Cayman. Donc on lui fait actuellement un traitement céramique. Je reviens sur le volant, donc mon client m'a demandé, il m'a dit Cyril, peux-tu récupérer le volant? Donc on pourrait croire que c'est du cuir, mais de base c'est de l'alcantara. Mais le temps a fait qu'avec le sébum, la transpiration, donc déjà mon client à l'achat, il y avait déjà ce genre de choses. Donc on peut voir, c'est très rugueux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer au detailing triple A. Le produit, il est là. D'accord? Et on demandera à mon client s'il est content ou pas. Voilà. Allez, je vous montre comment on procède. Hein. Donc là, on vaporise abondamment le detailing triple A sur le volant de la Alcantara. Et là, bah on prend son temps. On va faire partie par partie, sachant que c'est vraiment du sébum. Et cette voiture, je peux vous le dire, elle vient de très très loin. Et surtout, elle a subi de très 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 hautes chaleurs. J'en dirai pas plus. Donc sébum plus chaleur, je vous explique même pas la combinaison pour vraiment dégrader un volant. Donc mon client nous le dira si vraiment... Il a vraiment cette sensation qu'on sent vraiment l'alcantara sur le volant et non cette croûte. Mais pour moi, il était important de vous montrer comment on nettoie cela et que c'est récupérable avec le detailing triple A. Première impression. Ah oui. Au toucher, ça n'a rien à voir. Hein. On sent le poil ou pas? Ah oui, oui, oui. Là, on sent l'alcantara du volant. On sent l'alcantara du volant. Ah ouais, ouais. Rien à voir avec ce matin. Regarde le pommeau. Ah oui, oui. Hein, on sent la matière. On sent la matière, on sent l'alcantara. D'origine, oui. D'origine. Et ce matin, c'était crasseux, sébum et tout ça. Chapeau. Hein. Et regardez, même au-dessus, elle est au-dessus, elle est touchée au-dessus. On voit le poil, hein. Ah ouais, là, le pibère, on le voit, ouais. Ouais. C'est super important. Ouais. Allez, on vient de finir le volant en alcantara. La première vidéo, vous vous rappelez, on aurait pensé que c'était du cuir tellement qu'il était encrassé par le sébum. Et surtout, la voiture vient de Dubaï avec les fortes chaleurs. Le volant était vraiment dégueulasse. Donc là, regardez, simplement avec le doigt, regardez. Je ne sais pas si vous voyez. On peut voir les contrastes de l'alcantara. Allez. Vous voyez, là, c'est propre. Hein. On peut jouer avec les couleurs. Regardez. Dans tous les sens. On a vraiment retrouvé un volant comme au premier jour. On sent vraiment l'alcantara. Le client, tout à l'heure, viendra contrôler parce qu'il était vraiment, on va dire, très préoccupé par rapport à son volant. Donc là, on a vraiment retrouvé l'aspect alcantara, chose qu'on n'avait pas dans la première vidéo. D'accord? Et surtout, ça a été fait avec notre produit, le detailing triple A. Donc on est passé de la jante de la Porsche Cayman GTS et on a fait le volant avec le même produit. Comment on a pu décrasser des jantes et en plus nettoyer le volant? Donc ce produit, vous pouvez nettoyer parfaitement tout ce qui est shampoing et tapis, des moquettes, des sièges en cuir, tissu alcantara, plafonnier, plastique, contour de porte. On va pouvoir faire tout type de jantes, le moteur, le prélavage de la carrosserie, la grosse mousse active, le shampoing technique des deux seaux, la décontamination barre d'argile, le nettoyant sans eau. Il apportera une très forte brillance. On va pouvoir nettoyer les vitres, retirer le calcaire, retirer tout ce qui est moustique, fiente, résine très facilement et bien d'autres choses. On met en lien dans la vidéo le site internet, plus de 800 vidéos. Ce produit, très important, est 100% biodégradable. Voilà, avec un seul produit, vous pouvez nettoyer de A à Z votre véhicule. Il remplace 15 produits, c'est simplement la dilution qui change. Un exemple, pour nettoyer les vitres, on mettra 5 ml pour un litre d'eau. Pour le décrassage, 40 ml. Pour l'entretien, 10 ml, toujours pour un litre d'eau. Voilà, donc maintenant on va attendre le client, voir s'il est content de son volant.